Famille, parce qu'ils ont le même cœur, ils ont la même voix et les idées sont les mêmes. C'est pourquoi la cohésion entre eux, c'est pas dans de bonnes conditions. C'est ce que je vois. Parce que, bon, aujourd'hui quand tu réveilles, on dit, lève-toi, tu vas manger. Tu dois manger. Mais si les enfants réussissent, ils veulent faire du bien au village, qu'est-ce qui t'empêche de dire oui? On doit applaudir. On doit applaudir les idées, les intentions, tout ce qu'ils veulent, il faut qu'on applaudisse, qu'on accepte. Parce que un jour, c'est un jour. Un jour, d'autres viendront. Et ces situations se passeront. Parce que quand tu entreprends, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Tu entreprends, ne lâche pas. Parce que quand on dit, c'est le signe et c'est le mot. Je ne sais pas si d'autres viennent pour le faire, mais ce Kmakwa ne peut pas se faire à quelque part, si ce n'est pas à Yorogwa. Ce mot seulement prime tout, tout et tout. Je ne sais pas qui a eu ce privilège de donner ce nom-là. Ça m'étonne. Et même quand je mange, je suis assis là, j'ai vu, je dis, mais ces enfants-là, ils ont eu, hein. Parce que le fait de Kmakwa, il a eu. Et puis c'est resté. Et réellement, c'est ce qu'on doit dire. Que tu sois de l'ouest, du sud, de l'est, du nord, mais quand tu se croises, pour qu'on voit une là, c'est comme si. On mettait des radars partout pour qu'on se croise. Donc déjà moi ça me plaît. J'aimerais toujours que ça se répète. Monsieur Dro, je suis du village. Je suis là, gestionnaire de pharmacie. Et puis bon, mon nom, mon nickname là, tout le monde m'appelle Monsieur Complet. Bonjour mon cher. Et merci d'être venu. Grand merci. Merci beaucoup. Docteur Traoré. D'accord. Le président. Mali, tu marches quand même, boss, hein? Nous sommes contents, tout le village même. L'opération s'est très bien passée. Parce que le personnel médical qui était sur place était vraiment disponible et puis très engagé à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés depuis le début de l'activité. Mais ce que nous avons trouvé déplorable, c'est que les agents de santé du village n'ont pas pris à même le corps le projet santé et également la sensibilisation et l'information de la population n'a pas été à la hauteur de notre attente et que l'engouement n'était pas au rendez-vous. Donc, peut-être que la population ne sait pas exactement les objectifs que nous voulons atteindre avec ce projet de dépistage de l'hypertension artérielle. Mais je tenais à leur dire et redire, parce que je pense qu'on a déjà dit, que la tension et puis la glycémie élevée, donc les diabètes, sont des pathologies qui sont devenues aujourd'hui des problèmes de santé publique de par leurs complications. Donc aujourd'hui, une activité vers vous qui vous aide à dépister ces maladies de manière précoce, c'est vraiment une opportunité qui devait saisir avec beaucoup d'importance. Mais néanmoins, ceux qui se sont déplacés, nous leur avons donné des conseils
Et nous avons eu aussi des cas. Évidemment, on a eu des cas. Ça veut dire que c'est des gens qui passaient sans avoir aucune information sur leurs problèmes de santé. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont informés et à partir de là, ils auront un comportement un peu particulier. Ils vont avoir une autre hygiène de vie qui va leur permettre de prolonger leur survie sur Terre. Donc, nous tenons à dire merci au président Dragon Lai, colonel Dragon Lai, qui était disponible, qui a mis à notre disposition également tous les moyens qu'il faut afin de pouvoir réaliser cette activité. Moi, je suis et je ressors partiellement satisfaite de l'activité parce que c'est un objectif que je voulais à tout prix atteindre, participer à l'amélioration des conditions de vie de mes parents. Aujourd'hui, j'ai quand même fait une partie, c'est une satisfaction personnelle. Les parents, ils font beaucoup d'efforts pour nous. Et donc, quand nous sommes à un certain niveau de la société également, nous avons le devoir de revenir leur retourner la monnaie de leur bien. Donc, par nos positions, nous devons tous revenir vers nos parents pour les aider individuellement et collectivement à avoir une longue vie sur Terre. Donc, c'était l'objectif de l'activité de santé. Pour ceux qui sont de la santé, qui n'ont pas compris la portée de la chose, c'est pas moi qui vais leur apprendre les éléments, comment on appelle ça, élémentaires de la santé. Participer à une activité de santé de tes parents chez toi, c'est une bénédiction de Dieu. On n'a pas besoin d'aller te chercher ou te trouver pour venir le faire. On le fait avec joie, on le fait avec beaucoup de courage, on le fait avec beaucoup d'amour. Moi, c'est un plaisir pour moi de venir de soigner mes parents parce qu'ils ont fait beaucoup pour moi. Au tronc, on était nombreux. C'était pas évident de sortir de cette difficulté des études. Mais aujourd'hui, si nous sommes en sortie, c'est grâce à la bénédiction de nos parents. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à l'école, mais il y a beaucoup qui n'arrivent pas où ils veulent aller. Pas que toi, tu es intelligent. Il y a beaucoup qui sont beaucoup plus intelligents que nous. Mais qui n'atteignent pas ce qu'ils veulent, qui n'atteignent pas leur but. Donc, quand toi, tu atteins ton but, il faut savoir que c'est la bénédiction de Dieu. Et nos dieux sur terre, sur nos parents. Donc aujourd'hui, venez aider nos parents à se prendre en charge sur le plan santé. Moi, c'est une joie pour moi. C'est une priorité pour moi. Voilà. Donc infiniment merci à tous ceux qui ont été disponibles, tous ceux qui se sont engagés, que ce soit de manière, de façon morale, financière ou même de soutien de part et d'autre. Nous leur disons infiniment merci. Que c'est Dieu seul qui peut leur dire merci. Parce que le merci, il est petit, mais il est grand dans le sens profond du mot.